salut tout le monde, c'est Goss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Roppongi. On va aller on va d'abord aller manger. Apparemment il y a un parc et on peut déguster du martini spécial Sakura. Et il y a pas mal de nourriture apparemment sur le même thème. Et puis bon, on va tout simplement après se balader dans Roppongi. Il y a pas mal de coins en fait dans le quartier qui sont assez sympas. L'éclair il donne trop envie, j'ai trop envie de le goûter. Donc voilà le stand martini, on va prendre une bouteille, on peut... Oui, je crois qu'on peut s'asseoir. Donc on peut commander avant ou après? Je pense qu'il faut commander avant. Et donc voilà, on peut commander à manger aussi. Ça a l'air bon. C'est que des produits italiens. Ça a l'air bon aussi. Oh, et c'est dessert. Bon, finalement, on a décidé qu'on irait boire un coup ce soir, parce que c'est jusqu'à 20h. On va en profiter qu'il fasse encore jour, parce que la nuit tombe très vite à Tokyo, enfin au Japon, pour justement se balader un peu dans le parc et faire un tour. Et on reviendra ensuite boire un coup et manger les petits gâteaux Sakura. Le centre commercial qui s'appelle Midtown, donc à Roppongi, et il y a cette boutique The Cover Nippon. Ils ont des produits, enfin tout ce que vous avez vu justement juste avant, c'est ça, c'est que des produits fabriqués au Japon traditionnels, et c'est juste trop beau. Ils ont vraiment de tout. C'est des mangues? Ouais. C'est des pommes? C'est des mangues. 100€ la mangue. 40€ les fraises. On vient sortir de Midtown. La nuit est tombée et comme vous voyez, tous les arbres ils sont illuminés en rose. Donc du coup, même s'ils sont pas fleuris, c'est super joli. On va aller boire le martini au Sakura et ensuite on ira à Roppongi Hills, qui a aussi de très beaux centres commerciaux. Bon, il fait très froid, mais j'ai commandé du coup le petit cake Sakura thé vert. On va voir ce que ça donne. Et puis la petite coupe de martini. Hein. Bye. Oh, mais c'est en plastique les. J'adore l'odeur du martini. Il y a une petite fleur de Sakura dedans là. Mais... Je la vois pas. Ça mange, je sais pas. Ah, t'en as une toi? Ah oui! Il y a une petite fleur, une petite feuille de sakura, mais j'ai pas l'impression qu'elle se mange.
J'ai l'impression qu'elle est en plastique, non? Non, non, c'est plus. Ah bon? Tu l'as mangée déjà? Ça se mange? Ouais. Et c'est une vraie feuille? Non. C'est genre... Ça pas tout. C'est un martinier rosé normal, en fait. Ouais, je vois pas trop. C'est pas une édition spéciale, c'est juste le petit machin qui tape dedans. Ah, ouais. Bon, bah c'est brave, c'est bon et ça réchauffe. Bon, on va... voir ce que ça donne. Il m'a l'air un peu sec. Il m'a l'air très sec. Oh non, me dites pas qu'il y a du azuki dedans. Trempe-le dans le martini. Putain, mais pourquoi faut qu'ils mettent ces putains de haricots rouges partout, quoi? Alors, tes impressions? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je me filme, je te l'avais dit. Fallait pas prendre le cake. Tu t'en souviendras quand tu verras ça. On peut faire du golf si ça vous tente. Là, il y a le Mori Art Museum et la première fois que je suis venue à Roppongi, c'était un des premiers endroits où je suis venue quand je suis arrivée en septembre. Et il y avait une exposition sur Gundam qui était trop trop bien. J'étais trop contente du coup parce que je savais même pas en fait, c'était genre le gros hasard. Il n'y a pas tant de magasins que ça, c'est juste qu'il est assez sympa. Il y a le Grand Hyatt qui est vraiment collé au centre commercial. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, bah, partagez aussi, parlez un peu autour de vous de la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir s'il y a d'autres personnes qui puissent profiter aussi de mes vidéos. Et puis, je vous dis à mercredi prochain. Tchuss !